À tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour moi, ça s'est bien passé. Leroy est à la crèche, Kingsley dort. Ça a été très difficile hier soir avec Kingsley. Crise sur crise, il n'a pas voulu dormir de 17h, 16h, 17h à minuit. Donc voilà, assez long. J'espère que ça va bientôt passer parce que ça commence vraiment à être compliqué. Et sinon, voilà, tout se passe bien, il a bien dormi, enfin voilà. Profite de boire mon thé pour vous en parler. Donc cure adieu kilo de chez Wonder Nana. Donc grosse déstockage pendant 24 heures, donc moins 50% sur tout l'été pour laisser place à la nouveauté. Donc je vous note tout ici, ensuite je vous explique les différentes étapes avec les différents programmes. On va commencer par la cure express qui est une cure détox qu'on va faire sur 7 jours. Donc cure hyper intense qui va permettre à votre corps de prendre un nouveau départ afin d'optimiser les résultats par la suite. Donc elle va vraiment permettre d'éliminer tout ce qui est déchets et toxines accumulés dans l'organisme. Et il y a une estimation de 3 à 8 cm de perte de tour de taille en une semaine seulement. Ensuite, la cure adieu kilo, celle sur laquelle je suis en ce moment. Donc c'est 3 tasses par jour, je vous montre ça. 3 tasses par jour, matin, midi, soir. Elle ressemble à ça. Donc ça, c'est le nouveau packaging qui est encore fermé pour moi parce que j'avais fait un stock d'anciens. Voilà. Donc ce qui est une cure spécialement conçue pour les personnes en perte de poids qui réunit vraiment les 4 bienfaits optimales à une perte. Effet coupe faim, aide digestive, détox, drainant et brûle-graisse. Et ensuite, on a la cure queue de cerise. Génial si vous avez souvent des infections urinaires, ça c'est une petite aparté. Donc ça c'est une cure hyper hyper douce qui va permettre de lutter contre le ballonnement et ou la rétention d'eau et qui va vous permettre d'obtenir ou d'entretenir votre plat du ventre. Donc moi pour le moment je ne l'ai pas faite parce que il faut que je maigrisse encore. Et elle a consommé aussi 3 fois par jour minimum pour avoir des résultats optimaux. Mes petits secrets capillaires aussi que je fais 2 à 3 fois par an. C'est mon lissage de chez Hanan Lissage ici. Donc là, je l'ai fait jeudi dernier, il me semble, ou mercredi, je ne me souviens plus. Et à chaque fois, c'est la satisfaction assurée. Les cheveux lisses, chez Lisse, que vous ayez les cheveux afro, elle fait vraiment des miracles. Donc, franchement, n'hésitez pas. Je vous montrerai plus en détail après. Elle aussi qui m'a aidé à rattraper mes cheveux en me faisant beaucoup de soins. J'ai fait beaucoup de soins Botox chez elle. Enfin voilà. Je vous mets son Instagram. Franchement, n'hésitez pas, que ce soit pour les soins. Si vous voulez un soin boucle aussi. Si vous voulez les lissages, il n'y a pas mieux. Fais une grosse bêtise. Non. Et t'en as un qui a collé à ton pied que tu essayes d'enlever. Et on prépare les bêtises, on passe l'aspirateur. Bravo. T'as fini? Tresse de lit pour Kingsley. J'ai la même couleur jaune moutarde pour Leroy. Donc elle vient de chez Baby & Co. J'adore vraiment cette marque, j'adore ce qu'ils proposent, j'adore la différence de matière. Elles sont trop trop belles. On a ressorti le petit parc qui est vraiment un indispensable si vous avez un petit peu de place chez vous. Roulette, c'est-à-dire que vous le déplacez vraiment partout avec vous. Vous avez plusieurs hauteurs, donc là il est au plus haut, mais au fur et à mesure que bébé grandit, vous le descendez. Il est vraiment spacieux. Celui-ci, je sais qu'il en existe des plus petits. Pour le parc, on a pris le tapis d'éveil Nouvelle Co de chez Natou, qui est trop trop beau. Donc je vais vous le démonter, je vais vous montrer. Trop beau. Il est vraiment magnifique, j'ai rarement vu un tapis d'éveil aussi beau. Franchement, ça fait hyper effet cocooning avec ça, qui est plus haut. Vous avez plein de jouets, vous avez le miroir. Ce qui est bien aussi, c'est que les jouets, ils sont accrochés. Parce que moi, sur mes autres tapis d'éveil, il ne me reste pas de jouets parce que je les perds. Du coup, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh là là, il aime trop son tapis. C'est vraiment l'indispensable à avoir.
la fameuse chaise de chez Béaba. Moi, carrément, j'en ai même pas repris de nouvelles. C'est celle de Leroy. Et franchement, c'est le top. Donc, non seulement elle balance, vous allez pouvoir la descendre sur trois hauteurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est à taille. Moi, je la tire comme ça un petit peu partout dans la maison aussi. Et vous allez pouvoir la descendre, ça, sur trois hauteurs aussi. Ce qui permet vraiment d'avoir toutes les positions. Et au début, je donne à manger là-dedans. Parce que bébé ne tient pas dans une chaise haute. Et là-dedans, c'est top.